Bienvenue dans le second épisode d'un dîner presque parfait. Cette semaine, c'est le célèbre Kim Seok-jin qui accueillera les 6 candidats dans son humble demeure. Ce dernier s'est fait connaître il y a peu avec cette vidéo dans laquelle il se rend dans une ferme et communique avec des poulets. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto à la ferme, c'est un endroit très dangereux mais comme vous le savez je prends des risques pour mes abonnés, alors m'y voici. Ils n'ont pas l'air très heureux de me voir par contre, peut-être que je devrais essayer de les... J'ai fait un classement des gens qui cuisinent le mieux ici d'après moi. Puis-je savoir pourquoi je suis tout en bas? Pose-toi les bonnes questions, Taeyong. Je vois que je suis en première place, Sar, quel plaisir. Je veux juste dire que Jin est un très bon cuisinier et qu'après le repas de Yoongi, il n'y a pas moyen qu'il fasse pire. Tu critiques mais t'en as même pas laissé une miette Namjoon. C'est vrai. Pour ce dîner j'ai pensé à un thème italien et je tiens à ce que tous les invités apprécient l'ambiance naturelle et apaisante de ma soirée. C'est pour cela que je leur ai préparé une petite surprise. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un peut me dire depuis quand Seok-jin habite dans une putain de forêt à l'autre bout de la ville? Non parce que je veux bien me reconnecter avec la nature mais cet endroit me donne la chair de poule. Namjoon m'a dit que c'était la forêt dans laquelle ils ont tourné Hansel et Gretel. Il est tellement cultivé. Il fait tellement chaud que je vendrais même Jungkook pour une glace. Regardez, Jin fait même pas le ménage ici. Vas-y casse-toi gros d'où tu nous filmes, tu t'es cru chez ta mère? La chaleur commence à me monter à la tête. Non non, tu viens juste de te faire victimiser par des fourmis. Il y a écrit que sa maison n'est plus très loin d'ici. Ça fait 3 heures qu'on marche, j'espère pour lui que son repas est délicieux. Je me suis fait attaquer par un ours et j'ai dû l'aider à retrouver sa mère, je te hais Seok-jin. Quelques heures plus tard, dans la maison de Jin. J'ai faim. Je peux savoir où est l'apéritif? Juste sous vos yeux. Mon apéritif est composé principalement d'oxygène naturel. Je t'en supplie, dis-moi que tu te fous de nos gueules. Au début, je pensais qu'il nous faisait simplement une blague mais non, il était sérieux et voulait vraiment qu'on bouffe de l'air. Je tiens à la sécurité de mes invités, c'est pourquoi je voulais m'assurer qu'ils respirent correctement afin d'éviter des décès dans ma demeure. Après tout, elle est déjà assez hantée comme ça. Et après ils osent critiquer mon dîner alors que moi je les ai nourris au moins. Dis juste que t'avais pas assez d'argent pour acheter des chips et de la boisson. Ah j'en ai marre d'être beau putain. Est-ce que tu es en train d'insinuer que je suis pauvre? Moi au moins je suis pas allée commander aux grecs du coin comme certains. Ouais mais moi il y avait de la réelle nourriture sur la table, tu vois. Et c'est reparti pour un tour. Alors voici des spaghettis que j'ai préparés avec beaucoup d'amour, je sers le plus jeune en premier, bien sûr. Il a osé nous servir des spaghettis. Cette soirée est un sketch de A à Z, j'étais à deux doigts de prendre ma veste et partir. Les spaghettis m'ont fait penser à mon enfance quand je rentrais me faire à manger le midi. Je me rappellerai toujours de ce chien à qui j'en ai donné un jour, bizarrement je ne l'ai jamais revu après ça. Je vais vraiment péter les plombs. Il n'a fait aucun effort pour la décoration et nous a forcé à porter ses horribles t-shirts. Désolé mais c'est trop pour moi. Applaudissez-moi pour mes efforts, s'il vous plaît. Bon bah étouffez-vous bien les amis, merci toi aussi. Pourquoi est-ce que tes spaghettis sont aussi acides? J'avoue qu'elles ont un goût étrange. C'est parce que le citron aide à purifier votre âme. Je crois que j'ai renversé de la limonade dans la casserole sans faire exprès. Je pense que Jin a essayé de nous empoisonner. N'importe quoi, le poison n'a pas ce goût. Et comment tu sais ça? Figure-toi que j'ai des relations. Ces spaghettis sont délicieuses en tout cas. T'es sérieux là? Osok m'a fait toute une scène pour mon dernier repas, mais quand c'est Jin qui cuisine un truc immangeable il ne dit rien. Il y a un problème. Je te trouve juste extrêmement hypocrite. Pardon? Il a dit qu'il avait envie de manger des frites. C'est pas ce que j'ai entendu. Bon commencez pas à vous embrouiller ou je vous mets dehors. On est des invités. Tu crois que ça va m'en empêcher? Écoutez-moi, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui est obligatoire mais que Jin n'a pas? Du respect pour ses invités. Non, une décoration en accord avec le thème. Remarque, il a fait un effort, il y a autant de citron sur la nappe que dans son plat. Je vous trouve un peu trop insolent. Je ne fais que dire la vérité, j'ai cuisiné toute la matinée, tu me donneras la recette de l'oxygène du coup. Namjoon et Yoongi n'ont fait que me rabaisser depuis le début de la soirée alors qu'ils ne savent même pas cuire un œuf. Je mettrai un 7 pour le repas parce qu'il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions et a su me toucher. J'ai été très déçue par Jin, je m'attendais à beaucoup mieux venant de lui et je suis restée sur ma faim, c'est pourquoi je lui mets la note de 4. Les spaghettis étaient mal cuits et l'absence d'apéritif m'a vraiment outré, désolé Seok-jin, ça sera un 5 pour moi. J'ai mis toutes mes pâtes dans un mouchoir quand il ne regardait pas, c'était immangeable et je pense que ça mérite un 3. On a traversé toute une forêt pour venir chez lui et il ne nous a même pas préparé un repas digne de ce nom, c'est pourquoi je lui mets seulement la note de 6. Désolé, même les croquettes de mon chien ont meilleur goût que ce repas. C'était seulement une erreur de parcours, un jour j'aurai ma revanche, comptez sur moi.